serviteurs pour qu'ils prêchent l'évangile, ainsi par l'Éternel. Donc, nous avons demandé pour capable acclamer le Seigneur pendant que nous avons recevoir Père Jésus Pierre. Merci Seigneur. La paix bon Dieu avec nous. Moi salue nous dans le nom de Jésus qui vient tout pouvoir. Alors nous dit bon Dieu, merci qui ba nous opportunité ça pour nous capables ensemble avec vous. Pendant que nous continuons à parler de thème ça, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Alors, même qui a une Bible, vous pouvez ouvrir avec moi dans Psaume, chapitre 11. Nous allons regarder quelques versets ensemble avec vous. Psaume, chapitre 11, nous allons lire verset 1er et nous allons terminer dans verset 4. Le psaume 11, nous avons commencé dans le verset 1er, nous avons terminé l'étude pour vous dans le verset 4. L'assemblée se lève pour la lecture de la parole de Dieu. Okay. Le psaume 11, verset 1 à 4. Est-ce que nous là? Est-ce que l'assemblée est là? Amen. Ok. Nous appelons ensemble au chef des chantres, psaume de David. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici les méchants qui ça. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Verset 3, qui ça le dit? Hein? Les fondements sont renversés. Hein? Le juste, que ferait-il? Verset 4, pour terminer, l'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Nous relis avec moi verset 3 et verset 4 pour nous terminer lecture. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Acclamez la parole de Dieu. Et pendant Wap et Chita, n'a pas parlé de thème ça. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? La valeur, l'importance d'une chose ne repose pas sur son apparence physique, mais plutôt sur sa base, sur ses fondements. Valeur yon bagay, importance yon bagay, li pa repose sous sa zyo ka gade, mais li repose plutôt de ça qui fait fondement sa wap gade ya. Donc c'est ça qui est très important dans la vie, la valeur d'une chose n'est pas reposée sous apparence physique. Surtout nous-mêmes l'homme nous remet ça ou l'apparence. OK, nous remet apparence, garder monde sous apparence, remet monde sous apparence, faire amis sous apparence, contempler les choses sous apparence. Mais cependant et pas apparence qui comptait, mais ces bases-là, ces fondements qui comptaient. Pas bien à parler sur ce sujet, ça, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Le mot fondement, li sorti dans un mot hébreu qui c'est yazad. Yazad, c'est la base, c'est l'élément sur lequel s'appuie tout le reste. Qui ça un fondement y? Yon fondement, c'est une base que yon fondement, de capable dire si m'a prendre en matière de construction,
C'est lui qui représente sol qui va recevoir tout poids édifice qui va le mettre sous lui. Donc c'est ça le fondement. Donc c'est la base, c'est l'élément sur lequel s'appuie tout le reste. Tout reste bagaille yo chita sur une base et base ça li pa l'autre que fondement. Et yo dit tout que fondement li c'est principe sur lequel se fonde un système. C'est le principe ou bien l'ensemble des principes sur lequel ou bien sur lesquels se fonde un système. Donc lorsque un système cap établi, li pa ka établi li même pour contre li l'obligé gon base, li obligé gon fondement. Par exemple, m'son prend exemple yon édifice y a construit. Valeur yon édifice c'est pas ça on garder avec Dieu, c'est pas mur yon qui valeur yon édifice yon construction. Mais au contraire, li dépend de qui valeur sol la. Boss qui t'a fait là ou bien ingénieur qui t'a tracé plan, même s'ils font grand plan, bagaille grandiose, si ça l'a fait y a pas un fondement, c'est quoi veut la faire. D'ailleurs, ou après tout boss maçon qui compte travailler bien, ou après il toujours à veiller, yon ba yo les joints filés. Si gen boss maçon là, y a comme ça on va dire. Qui ça joint filé à e? Joint filé à c'est lorsque la pose wash après wash, la bat pour pas gon fente dans mitan de wash. Et automatiquement, on fait entre roche en l'air avec roche en bas. Donc, il prend le crayon vide. Et vide, ça, il y aurait les joints filés. Et français a dit son fente. Et non, fente ça. Maintenant, même s'il te font grande construction, puisque tu as une erreur depuis dans la base, mais toute construction n'est pas représentée en rien. Parce que il prend le fond de mouillant juste devant l'air. Voilà l'importance de yon fondement. Très important. C'est même gens tout les wap garder le corps humain même si ça wap garder a l'été attiré yeux même si son monde qui bien campé son garçon qui bien campé Jean mon nous dit c'est bon Dieu qui fait ça demain quand t'as dit l'autre c'est diable qui fait ne garde l'autre là dit c'est bon Dieu qui fait ça demain et puis tandis que l'autre là dit bon Dieu t'es endormi elle t'a fait tel je vois donc li pa konnen le yon moun bel c'est pas nan figu li bel c'est nan josman li bel ba mwen wan zam di ya le yon moun bel li bien campé c'est pas li en soi qui bien campé c'est zol qui bien campé parce que la chair qui couvre zoa li pa représenter rien c'est zoa qui baille naissance avec beauté mon garanti même si ou fait style ou fait intéressant ou bien campé ou gen forme coca ou gen forme bébé qui t'a bon accident criol là papa gon deux trois zo cassé là ou perdit chelbey oh oh hey. Quand on voit une chaînette là avant mon pas la voir ou souri pour ka wè ti chaînette là bon accident là papa chaînette là elle fait route lui beauté à aller oui donc ou pas ka définir la beauté selon sa zo ouais mais c'est zoa ces structures là et ça l'ossature du corps c'est lui-même qui constitue le squelette du corps humain sans le squelette pas de bel garçon pas de belle femme on m'a dit c'est moi qui ça si on retire tout marron et belle jo gagnant belle nez gagnant belle bouche gagnant yo mette l'un côté à pas yo mette zo camp en côté à pas ou pas représentant rien donc très important donc c'est Zoa qui formait base ou bien fondement du corps humain. Et si m'a prendre dans un contexte spirituel, m'a dit pas un grand croyant sans une vraie fondation spirituelle. Va moi voir encore. Pas un grand croyant, c'est qui ça me dit? Sans la fondation spirituelle. Donc on va pas dire son gros chrétien si garder au préalable fondation spirituelle ou pas faite. Ou te mette 20 ans de conversion. Depuis on pas formé, depuis on pas fondé spirituellement. Depuis fondation spirituelle ou pas faite, en vérité, même si on a 20 ans de conversion, c'est temps d'attendre quitter l'église.
C'est tant d'attendre télé en groupe là, dans groupe Esther ou qui te groupe Esther. C'est garder ou perdu route pour qui ça? Parce que fondation spirituelle ou parfaite. Nous sommes les moins en mission étant à si me battre un peu ma bombe de police. Et puis pendant l'autre bord et puis il y a un groupe missionnaire qui a prêché l'évangile et puis mon a converti et puis il vient arriver sur un élément et puis il parle avec jeune homme non, il présente l'évangile et puis jeune homme dit bon mes amis pour travailler m'a passé là moi obligé à convertir. T'as des raisons de conversion. Les m'a converti parce que l'homme là quand il m'a tente moi il fait me passer misère. Gobon zamdoulan la mette me dehors. Donc pour me ka gen kay moi obligé converti. Ça veut dire yon moun li besoin recevoir Jésus pour qui ça pour le suspendre prendre déception. Pour le suspendre humilier. Et puis nèg yo ranger corps pour y aller prier avec. Me dit mais je si n'a prier prier mais moi même pas fait corps. Parce que me reconnaître dans la vie, les gens qui ont recevoir Jésus, ce n'est pas pour ne pas avoir de problème. Mais avec Jésus, le problème est capable d'une solution. Ou pas convertir pour ne pas jeûner. Pour avoir au contraire, Jésus-Christ dit, les gens qui veulent servir le droit, ils doivent persécuter. Ou pas quand on convertit, donc on ne pas connaître, tribulation, on persécution. Si les gens ont converti pour ne pas persécuter, ils n'ont pas besoin de convertir. Si on m'a converti pour pas attaquer dans la vie, il n'y a pas besoin de convertir dans la ville. Parce que l'on converti, ce n'est pas pour pas attaquer, mais pour qu'on une force là pour attaquer. Donc c'est ça qui est important de la conversion. Mais on ne pas converti parce qu'il a passé misère dans la vie, libéré nos hommes. Et pas ça la conversion. C'est pas ça la conversion. Vraie conversion, il reposait, même Jean après auteur à chanter en il dit je me rappelle un jour. Ou dans le service, je vis. Le livre dans lequel tout pécheur est inscrit. Monsieur dit, je vis mon nom très clair. Je dis, mon Dieu, que faire? Et puis il dit, en tant que qui ça? À ses pieds, je réglé mon affaire. Donc, l'on vient de joindre Jésus, l'on a converti. C'est affaire pécheur, on vient de régler. On vient de régler le dossier, on va connaître, on a besoin de madame, là, papa, m'a converti, on gagne un petit gagne. Bye bye, bon ça, frère. Ah ben comme ça, ou converti pour ajouter la vie éternelle. Ou pas converti pour capable pour pas traverser les circonstances de la vie encore. Pour pas traverser épreuve encore. Donc moi je joue comme ça. Pas de grand chrétien sans fondation spirituelle. Ou pas capable l'estomac ou la caille bon Dieu si fondation spirituelle ou pas OK. Après ça après 15 ans de conversion ou chité. Après 20 ans de conversion, j'étais. Ou quand même bishop, même, j'étais. Ou quand même construit l'église, même. Quand on construit l'église là, et vous j'étais. Ça faut j'étais parce que fondation spirituelle ou parfaite. Donc, vous êtes faux à la base. Vous mauvaise doctrine, vous êtes enseigné à la base. Et ces mauvaises doctrines, ça, après 20 ans de conversion, les balles qui ont joué filet dans la construction spirituelle. Et puis finalement, tout le monde va le défaut ça. Donc très important. Donc la fondation, le fondement, hein, c'est lui-même qui base de toute bagaille, de toute chose. Assoya nous ta remé ouais ensemble avec ou les fondements d'une société. Qui ça me dit ma preuve? Les fondements d'une société. Une société équilibrée, il repose sur quatre fondements que m'a cité là. Pas de grande société sans quatre fondements. Pas de grand pays qui a fait exploit sur la planète Terre s'il n'y a pas de quatre fondements. Premier fondement, il y aurait ça fondement démographique. Deuxième fondement, il y aurait ça fondement politique. Troisièmement, il y aurait le fondement économique. Et quatrièmement, il y a ça le fondement religieux. Premièrement, qui ça me dit, hein? Fondement démographique. Deuxièmement, on parle de Giza, fondement politique. Troisièmement, on parle de Giza, fondement économique. Et quatrièmement, on parle de fondement religieux. Bon, regardez si le Giza là. Premièrement, qui ça me dit? Bardande, bardande, bardande. Deuxièmement,
Troisièmement. Quatrièmement. Il y a monde jusqu'à présent loin d'où j'en allais. Premièrement, fondement démographique. Deuxièmement, fondement politique. Troisièmement. Et puis quatrièmement, fondement religieux. Donc quatre fondements ça yo. C'est eux-mêmes qui constituent la base de toute société qui a réussi. Donc, une société n'a pas réussi sans quatre fondements. Premièrement, fondement démographique. Deuxièmement, fondement politique. Troisièmement, fondement économique. Et quatrièmement, fondement religieux. Donc, après, toute société qui a fait, regardez, qui a évolué, vous devez respecter quatre fondements. Fondement démographique, fondement politique, fondement économique, fondement religieux. Maintenant, on va commencer avec fondement démographique. Dans fondement démographique, vous jouez démos qui veut dire le peuple. Dans le peuple, vous jouez les familles. Parce que c'est l'ensemble des familles qui peuvent constituer un peuple. Est-ce que l'église est là jusqu'à présent? C'est l'ensemble des familles, c'est l'ensemble des familles qui peuvent constituer un peuple. Donc, si je parle de fondement démographique, je suis capable de parler de la famille. Une société n'est pas équilibrée si la famille n'est pas équilibrée. Je dis encore. Donc, la famille, c'est la première institution dans une société qui doit être équilibrée pour que la société soit équilibrée. Si la famille n'est pas équilibrée, ce n'est pas une société, ce n'est pas un pays qui va équilibrer. Donc, très important. Donc, la famille, c'est un fondement social qui permet que une société capable de réussir. Donc, on va regarder dans Proverbe 22, verset 6, ou après Dieu t'a entendu ça. Dieu t'a dit avec Israélite, instruis l'enfant selon qui ça? Selon la voie qu'il doit suivre. Et puis dit, quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Même le bon Dieu t'a baillé la loi dans l'Ancien Testament, ou après première entité, prêtez-moi attention. Première entité, bon Dieu t'a souligné, c'est la famille. Là baillé la loi, là baillé la loi. Première entité qu'elle soulignait, c'est la famille. Elle regarde avec moi dans Deutéronome chapitre 6. Deutéronome chapitre 6, verset 4 à 9. Deutéronome chapitre 6, verset 4 à 9. Deutéronome, c'est pas dans le Nouveau Testament, non? Quatrième livre de l'Ancien Testament. Deutéronome chapitre 6, verset 4 à 9. Est-ce que toute l'église là? Qui ça le dit? En nous les noms? Écoute. Est-ce que nous avons un texte là? Deutéronome chapitre qui ça me dit? Chapitre 6, verset qui ça? 4 à 9. N'appelons l'ensemble. Écoute, Israël. L'Éternel qui ça? Notre Dieu est le seul éternel. Après lui, verset 4, il dit, écoute Israël, l'éternel, virgule, notre Dieu, est le seul éternel. Verset 5, il dit qui ça? Tu aimeras l'éternel, qui ça? Ton Dieu, de qui ça? De tout ton cœur, deuxièmement, de toute ton âme, troisièmement, et de toute ta force. Et puis verset 6, ça dit, et ses commandements que je te donne aujourd'hui seront qui côté? Dans ton cœur. Prêtez-moi attention. Après, il dit dans verset 4, il dit Israël. Tendez, il dit écoute Israël, l'éternel, notre Dieu est le seul éternel. Il y aurait ça en théologie, la formulation du chemin d'Israël. Donc, verset 4 là, il dit Israël, écoute, l'éternel, notre Dieu est le seul Dieu. L'éternel, notre Dieu est un. Donc, formulation, ça relève formulation du chemin d'Israël. Donc, son schéma que mon Dieu était à Israël, pour le dire Israël, ou a songé que, ou pas que deux dieux, c'est un seul Dieu gagné, et qui j'en relève l'éternel, notre Dieu. Donc, Israël doit toujours mettre en tête lui que le bon seul Dieu, c'est l'éternel. Et puis, dans verset 6 là, il dit, ces commandements que je te donne aujourd'hui seront qui côté? Seront dans ton cœur. Est-ce que comment un cœur, c'est pour dire parole, bon Dieu, de rester dans le cœur. Dis ça encore. Dis parole, bon Dieu, de rester dans le cœur. Ou est-ce que tu as dit, je sers ta parole qui côté? Dans mon cœur. Pas rien fait de écrit. Pas rien fait de prendre belle note à le serrer le notiroir et va ça le dire là.
C'est pour serrer les commandements de Dieu. La parole de Dieu qui compte? Dans le cœur. Dans le cœur. Et puis, verset 7, regardez ça, verset 7, il dit, tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras, qui ça? Quand tu seras dans ta maison, premièrement. Deuxièmement, quand tu seras, qui ça? En voyage. Troisièmement, quand tu te coucheras. Et quatrièmement, quand tu te lèveras. Verset 8, là dit, tu les liras comme un signe sur tes mains. Et ils seront, qui ça? Comme des frontaux entre tes yeux, tu les écriras sur les poteaux de ta maison et de tes portes. Regardez ça, mon Dieu dit, oui. Il dit, Israël, je suis l'Éternel, ton Dieu. Et puis, quand le film dit ça, il dit, mais qui sera mando pour faire pour moi? Dans verset 7, il dit, tu les inculqueras à tes enfants. Ou à inculquer la loi de Dieu avec petit tout. Ça, c'est responsabilité de la famille. Pour yon traverser des gardes, pour yon baïti mounou des éducations. Bon Dieu d'Israël, ou imaginez, si Israël pas traversé avec des générations, bon Dieu t'a fait corvée. Il t'a baillé la loi pour grand Messie. Ou imaginez, si bon Dieu baillé grand mounou la loi seulement, et puis il baillé petit mounou la loi, qui ça a passé? Grand mounou a vu malade, a vu mourir. Les lajori a vu mourir, et puis la loi tout disparaît. Mais bon Dieu intelligent. Bon Dieu connaît que l'homme est limité dans l'âge. Ou après, qui ça le fait? Il dit, l'homme, ou va enseigner la vertu pour nous. Et enseigner dans toutes circonstances. Premièrement, ou après enseigner lorsque on parle avec eux dans la maison. Après, l'homme, la caille avec Timounou, enseigner les ordonnances de Dieu. Deuxièmement, il dit, lorsque on va en voyage, même si Timon est sous choix là, choix là, dans le pavel, il dit enseignez-le, balle parole là, enseignez-le parole là, même l'on en voyage, balle parole là. Troisièmement, il dit Israël, lorsque ou en voyage, lorsque vous accouchez la carte, ça veut dire avant de dormir, parle en sérieux, il doit enseigner. Israël, il doit enseigner Timon la loi de Dieu pour qu'il ait une mentalité de la loi de Dieu. Il dit, lorsque vous avez levé tout, le soleil levé, vous avez enseigné Timounio les ordonnances de Dieu. Et puis, regardez qui ça dit, oui. Dans verset 8, il dit, vous avez lié les paroles de Dieu tant que son signe dans mes mains. Pourquoi ça dit dans mes mains? Parce que l'on levé le matin, premier mouvement, frère, ils ont fait. Ou prendre l'eau, brisa, ou laver les yeux. Ou après, l'élément dit, c'est mes. Donc, mes, ou pas qu'à rencontrer, ou pas qu'à rencontrer avec mes. Parce qu'avec mes on nettoie quoi, avec mes on mange. Donc il dit faut yo mettre le temps pour son signe sur les mains. Et puis on regarde qui ça dit, il dit pour mettre le temps pour son fronto entre les yeux. Ça veut dire fronto. Chaque fois Israël, Israélite pour regarder visage yo, les yo regarder visage yo, parole bon Dieu doit paraître. Donc dans toutes circonstances de la vie, qui a dormi avant de dormir, les a pleuvé, faut yon baye parole là. Les yon voyage, baye parole là. Les yon parle avec Timou yon la ka, baye parole là. Quand yon m'a posé question, combien de parents qui vivent à la lumière de texte à m'oublier là? Levez même ouais. Combien de parents qui m'a connu qui baye tête le mandat ça pour enseigner Timou la parole de Dieu? Pour une génération de timoun qui remet mon Dieu. Ah, ou maintenant t'as douce l'elgen 18 ans, ou laisse on va faire l'église. L'elgen dans toi ta. Et l'elgen dans yon, on dit, et t'es là l'église, on sait, l'elgen c'est moqué, on moqué. L'elgen passe en tête et j'enlève, parce que depuis à la base, on va faire fondement. C'est pas l'elgen 20 ans, et va laisse on propose, c'est, nous remettons dans le monde, c'est, retirer l'éclairé, ou t'enseigner pour avoir éclairé. C'est l'el gaé, c'est l'el décontrôlé, c'est l'el soit pour faire jeune. Non! Depuis à la base, il faut que tu enseignes, inculquer des valeurs spirituelles. Pour dire, si vous n'avez pas oublié, je suis une servante de Dieu. Ou à vivre dans le cas ici, tout le temps ici, il faut servir mon Dieu. Alléluia! Même Josué déclaré, les Israël, si vous ne pouvez pas servir mon Dieu, ça fait garder. Mais quant à moi-même, Josué, moi, et ma maison qui s'est
nous servirons l'Éternel. Alléluia. Et puis Josué mettait Timon au chita. Il dit Josué, voilà. Et Josué dit madame, non. Il dit madame, souffle bien avant. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué va avant Timon, l'aile par l'église, Timon a dansé bal, non, papa. Et puis Josué à l'église. Faut Timon suivre Josué, oui. C'est lui qui est leader familial, là. C'est lui qui est responsable, voyez. Qui j'en parle avec courage, il prend l'église et puis Simon il n'a pas boche. Et pour pas honte, on a levé mon lèvre, quelle assurance je suis sauvé, quel avant-goût, pas honte. Pas de crier, oui. Pas de crier. Mes chers amis, moi reconnaître ça. Pas bon monde qui a servi mon Dieu droit pour ne pas influencer mon bon côté. Pas bon monde qui a servi mon Dieu droit. Pour le bagou moun nan kala pour les fleurs. Ou elle ou pour celle ou mettez le dans jus la sale jus ou mettez le dans de l'eau la sale de l'eau. Ça veut dire quel que soit côté celle la passé li influencer environnement et la parole de Dieu dit comme ça. Pas oublier je suis le sel de la terre et c'est la lumière du monde. De tout côté chrétien passé la maison la Bible pour le prêcher mais la ville lui suffit pour le prêcher Jésus-Christ. Alléluia. Que de mon en vérité lui va connaître bon Dieu quand guérir malade mon cas dit si jodia moi là toujours malgré m'étais malade malgré on t'a dit m'a mourir avec cancer m'a mourir avec fibrome Jésus le guérisseur par excellence lui guérit assurément Jésus qu'on guérit. Elle est arrivée pour que l'évangile, ce n'est pas dans Jean 3, verset 16 seulement. Mais soit vive. Je traverse, je parole, bon Dieu, traverse. Pas une question dans la Bible, il montre que oui, nous me donnons un bagaille, mais qui promet qu'il te gagné, l'esprit de Dieu descend. Pas une bagaille comme ça. L'esprit de Dieu est en dedans. Ce n'est pas dans le verset allié seulement. Et les jours que. Toute chrétien ta vive à la lumière de la Bible, nous t'avons loin. Et me déclarer sous l'église. C'est pour l'église chita dans l'enseignement de la parole de Dieu. Regardez. C'est pour tout parent qui l'a quitté démissionné dans ce sens. C'est pour message ça révoltant dans yo. C'est puis désormais depuis à soya. Pour yon commencer à mettre sur la chita. Pour le montrer le verset. Pour l'apprendre le verset. Qui j'en parle en fait par honte. Pour la montrer sur la joie de lire. Pour la montrer le grammaire, pour la montrer l'histoire d'Haïti, pour la montrer le science social, et puis pour pas montrer mon si mon un verset biblique, ça sont honte. À depuis directeur marron, depuis professeur ballon zéro dans canal, ou faire journée, regardez ou commencer montrer leçon parce qu'on envie bal ou envie pour ton 10 baou. Mais si bon Dieu t'a corrigé canet si mon gagne comme il t'a pas. Si mon Dieu t'a corrigé, canet, si mon nous gagne, combien mon Dieu t'a baou? Gant pile fait moi une deck tap la, oui. Gant pile fait moi une trois qui tap la, oui. Mais chers amis, ça son honte. Donc Israël te doit inculquer, si mon nom, la parole de Dieu, pour si mon nom capable de base spirituelle. Mais chers amis, la famille, c'est une institution, mon Dieu, mettez dans la société. Et si la famille échoue avec mission, société a échoué avec mission. Haïti ou maintenant état ça là, la famille contribue dans misère Haïti a passé là. Ben moi dis là qu'on va attendre. Dans crise où Haïti a traversé actuellement là, la famille contribue là-dedans. Pour quelle raison? Parce qu'en pile famille qui démissionnait. Comme il a cali et puis si mon en dehors minuit 1h du matin ça va dire là ou démissionner trop de familles démissionner et pas des parents qui irresponsables. Monsieur le garder au verset qui dit instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre quand il sera vieux. Mais ici on dit depuis mon en 14 ans bon après États-Unis depuis jeune j'ai 14 ans yo dit qu'il faut avortement j'enlever. Vous comprenez ça? Ça veut dire que l'âge, si mon arrive l'autre bord, parents ne peuvent pas dominer encore. Et nous remarquons dans le fait de ça,
Quand pile pays, parents ont perdu autorité sur Timon. Timon avait fait des ordres sous des ordres. Il n'a pas battu lui. Parce que le gouvernement joue ici ou pas battre Timon. Madame, qui fait ça, je n'y vais pas. C'est bon, parole, mon Dieu dit, yon bon cal, pas chon Timon, la corrige Timon. Moi-même, je n'ai pas de problème, je suis bon calme, je n'ai pas de calme. Mais bon, je n'ai pas de mal pour moi, je n'ai pas de mal pour moi avec moi. Et puis, ça, c'est longtemps que je parle, longtemps que je parle là. Et puis, qui s'est passé? Pendant que je fais pour moi, bon musique, je m'attendais, bon carnaval qui sorti dans la période d'aller. Et puis, qui musique, qui musique lié? Même si je ne suis pas fin de dire toute musique là, parce que c'est une musique immorale lié. Son musique qui dit, ti souris. Quand je m'attendais, ti souris. Quand je m'en mets la musique là, je m'en fais bon arrive là, et puis, premier chante, je m'en chante. Je m'arrête là, je m'arrête avec un ti souris. Et puis, maman assure moi. Moi, je suis là, je suis là, je suis là. Et puis, maman me dit, hey, boss, viens me voir. Maman me dit, hey, musique, ça qui est-ce qui va où? Maman me dit, essayez de chanter pour moi, parce que moi, j'ai une belle musique. Je me tente de musique. Et moi, je me sens fier pour me déposer ce sourire. Et puis, je ne sais pas qui va le temps, après ce sourire, je me chante. Et puis, chanter ce sourire, maman me dit, ok, ok. Quand je finis de chanter, maman me dit, vous finissez, je me dis, oui. Il dit, depuis longtemps, l'esprit. Depuis qu'il a connu dans le calan, chante comme ça. Je ne peux pas avoir une réponse. Parce que depuis qu'il a dans le calan, vraiment, c'est Jésus qui a bien brûlé la croix. Depuis qu'il a dans le calan, c'est près la croix, au bon sauveur, femme songer, souffrance, ou et de marcher jour en jour, en bas l'orage, calvaire. Depuis qu'il a dans le calan, c'est quel merveilleux sauveur je possède. Depuis l'âme de Kala, c'est attaché à la croix pour moi. Et puis, maman dit, je vais le montrer pour ça que tu joues là. Maman, bon frère, mon j'ai dit, mon j'ai dit, ni tu souris, ni gros souris. Et puis, l'âme fait un bâton, maman dit, tu souris, entraîne tout. Parce que pas bon pour moi ici. Maman, tout bagaille. Et je voulais qu'il y ait des parents qui aient des principes dans Kala. Chanter pour chanter ici, c'est chanter qui sortit dans le champ d'espérance. Chanter qui chante ici, c'est des chanteurs qui inspirent, qui baillent des cantiques spirituels, qui vous chantent ici. Souvent, l'homme ou à chanter, souvent, rabordaille à chanter le dehors. Mais pas ici. Donc, famille démissionnée. L'irresponsabilité des familles. Grand bande de monde qui dans la rue, c'est parce que. Famille irresponsable. Gèti moun wè ka passe misère dans la rue et pas maman le pa gen non. C'est pas papa le pa gen. Yo fin mette le sous la terre puisque yo pas préparé pour ti moun non et puis yo depuis yo fin sèvre ti moun non, yo fin bal la vie et puis yo tout dégage au bat zèlou. Et puis ti moun sa pi devant, il va le passer misère, tout type de misère dans la rue. Et puis et ti moun sa pi devant, il va tourner gros gangster. Raison, c'est la famille. Majorité des gros gangsters qu'on est. Gros irresponsabilité familiale dans la cause. Gena yo peut-être yo ka rebel avec parents yo ka di non, yo ka choisi di oui, mais majorité nan ti moun ki dans la rue, c'est famille qui est irresponsable. Irresponsable. Mes chers amis, deuxième fondement, c'est fondement politique. Fondement politique où est l'État? Parce que l'État, c'est lui-même, quelqu'un qui a dit le gouvernement, pas un problème. Mais dans tout le monde, où est politique? Maintenant, l'État, le considère comme étant la tête pensante du pays. C'est lui qui a pensé pour la société. C'est lui qui a réfléchi. Qui ça pour le bail? Qui ça pour le retirer? Qui ça pour le mettre? C'est la responsabilité de l'État. Maintenant, les wabga de pouvoir, ils ont défini le pouvoir dans trois niveaux. Premièrement, ils ont dit qu'il y a le pouvoir exécutif. Deuxièmement, il y a le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Le pouvoir exécutif, où est monde qui est responsable pays en soi, ça veut dire président, premier ministre, tout ça, c'est le pouvoir exécutif.
qui exécuter, qui planifier, qui coordonner les choses. Deuxièmement, il y a le pouvoir législatif. Législatif là, c'est le roi de chambre sénat, c'est le roi de député yo pour le réunir, yo pour le légiférer, garder yo pour mettre des articles, garder pour capable pour société à fonctionner. C'est le pouvoir législatif. C'est le pouvoir législatif. Les pays a manque de bagaille pour yo mettre m'pa konnen pour yo mettre un décret m'pa konnen qui ça yo me décadi encore non pour yo signer un article pour yo ajouter pour yo retirer ces chambres sénat ces députés ont responsabilité ça. Donc le pouvoir exécutif législatif judiciaire c'est yo qui mandat ça pour yo diriger une société dans les normes de la loi. Dans les normes, dans la loi. Maintenant, qui sont en Haïti? En Haïti, ou pas un pouvoir exécutif qui stable. Depuis que le président tombe, il mourit jusqu'à présent. Moi-même, avec ou sans président. Ou pas de tête qui a réfléchi pour. De quoi t'en chita là? Si vous mettez espoir sur la politique, vous chirez. Si on prétend son acte politique qui vous met en dehors, en vérité, ou à mourir dans son yéa. Donc, je bagaille yo là. Je bagaille yo tête en bas là. Ou imagine le téléphone parce que la famille irresponsable. La politique irresponsable. Ou à vivre dans le pays, pas de président. Ou à mon Zamdoulan, pas de chambre sénat. Pas de députés qui pensent à vous. Donc finalement, je ne sais pas qui ça au labo là. Je ne sais pas qui ça nous y est là. Je me dis, est-ce qu'on réfléchit avec le pays sur la donne? Ou pas mon président qui peut penser pour vous? Ou pas mon bon gouvernement qui peut prendre chaos? Ça veut dire, on souffre là, mais mon coup de fil ou pas faire. Donc, faut-il réfléchir pour vous? Est-ce que fondement politique par renversé? Faut-il réfléchir pour est-ce que magistrat a mettre dehors? Faut-il réfléchir pour est-ce que député a mettre dehors? Faut-il réfléchir pour si la vie ou était sous contre les sénateurs, est-ce qu'on t'appelle aujourd'hui? Il y a des monde qui la vérité et pas un monde la prétendre, c'est Jésus la prétendre. Gros monde qui là, si politique t'a mettre dehors, t'a dehors longtemps. Mais ça pour mettre dehors, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Les fondements politiques sont renversés. Le pouvoir judiciaire, c'est juge, c'est avocat. Al garde pour moi, nous sommes un juge qui mourit en Haïti. Et puis, je regarde une manifestation qui a fait. Je regarde un point 4 dans la manifestation. Qui s'en met un point 4 là écrit? Je mette dans un point 4 la justice pour la justice. T'as nos phrases? Un juge qui tombe et mourit. Il y a une manifestation pour réclamer justice pour juger. Il mettait justice pour la justice. Et c'est vrai. La justice pour compter le besoin de justice. Par contre, ce qu'on voit qui sort là, même juge la cabale justice là, lui-même pour compter le besoin de justice. Les fondements sont renversés. Troisième fondement, le fondement économique. Ils ont réalisé que dans les Caraïbes, dans l'Amérique latine, le pays le plus pauvre de l'Amérique latine, c'est Haïti. Désolé si je n'ai pas d'informations, ça, c'est pas moi qui ai lu, c'est Chachem Jachel. Si vous regardez sur Google, vous tapez le pays le plus pauvre de la Caraïbe, bien de l'Amérique latine, ou après, le premier pays, a dit, c'est Haïti. Je ne dis pas du monde, non, je dis de l'Amérique. Du Caraïbe, de la Caraïbe. Donc c'est le pays qui est le plus pauvre. Donc, économiquement, pas de résultat. Et comment l'économie au pays a avancé si pas de création de richesses, si pas de entreprises, si pas de entrepreneurs qui ont pensé, qui ont réfléchi pour mettre business, pour mettre entreprise, pour que des jeunes garçons, des jeunes filles aient un travail. Donc, nos pays, tout chômage là, il était déjà monté déjà. Qu'on a se monté la monté plus raide. Ça veut dire si longtemps il y a 10 personnes qui ne travaillent pas, qu'on a 20, 30, 40, 50. Et les personnes qui ne travaillent pas, qui compte aller? Pour une interrogation. Donc le système économique est effondré.
Ou nos pays de jour en jour, au lieu de faire progrès, c'est bac n'a fait. Donc les fondements économiques sont renversés. Quatrième fondement, c'est le fondement religieux. Je ne sais pas si les nègres mettent les têtes ensemble, ils forment une société, ils forment une organisation, une religion pour la paix. Mais est-ce que la paix dans le pays? Ça arrête en question. Je me sens au lieu de la paix, c'est la guerre. La guerre. Parce que le fondement religieux n'a pas de résultat. Donc, mes chers amis, lorsque le pouvoir politique n'a pas de solution, lorsque le fondement démographique, la famille, lorsque le fondement s'est renversé, lorsque le fondement politique est renversé, lorsque le fondement économique est renversé, lorsque le fondement religieux est renversé, maintenant le juste, que fera-t-il? Qui s'ajuste là à faire? Lorsque nos pays, côté la famille démissionnée, lorsque nos pays, côté politique n'est pas en pouvoir, pas qu'on fait sous rien, regardez qui s'ajuste là à faire? Lorsque nos pays, côté que amen, le système économique est renversé, qui ça va faire avec les petits bon Dieu? Lorsque nos pays, la religion n'a pas de réponse, la parole de Dieu entrée dans le psaume 11, David dit, c'est en l'Éternel que je me confie. Donc le juste, que fera-t-il? Premier bagage, juste la fin, la confier dans Dieu. Ça est premier bagage la fin, la chercher Dieu. Donc ça c'est premier bagage que juste la doit faire, il doit chercher le secours de Dieu. Il doit réclamer la présence de Dieu. Face avec des bagages qui tête en bas, juste la première bagaille, il doit faire après deux bagailles seulement soit avec vous. Première bagaille, il doit faire, il doit chercher qui ça? Le secours de Dieu. Dans le psaume 121, il dit, je lève mes yeux qui ça? Vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient qui ça? De l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et ce qu'a frappé m'a dit, quant à moi, secours me sorti en l'air. Secours me a sorti en haut. Secours me pas sorti de la terre. Secours me pas sorti en bas. Lorsque les fondements ici bas sont renversés, voici je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Donc, premier bagage chrétien doit faire, il doit chercher le secours de Dieu. Bah, mon coton pour année, demain, dit chercher bon Dieu, chercher bon Dieu, chercher bon Dieu. Qu'est-ce que demain, dit ça, chercher bon Dieu. Regardez, mon deuxième, on a dit, mettre bon Dieu en don, en petit temps. Dans le dernier temps, ça là, j'en bagaille au marais là, chercher bon Dieu. Alléluia. Jeune garçon, cherchez bon Dieu. Jeune fille, cherchez bon Dieu. Si le pays n'a pas pensé pour vous, l'éternité a pensé pour vous. Si le président n'a pas été président ici, en vérité, que le roi des rois, le seigneur des seigneurs, qui a pensé pour acclamer Jésus. Acclame Jésus. Mes chers amis, hey. Alléluia. Lorsque les fondements sont renversés, les mbakons qui boivent pour me faire. Les 4 marées 14, regardez, auteur a dit, c'est en l'Éternel. Répétez une phrase, ça me dit, c'est en l'Éternel. C'est en l'Éternel, c'est dans bon Dieu. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Deuxième bagaille, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons faire la confiance totale à Jésus-Christ. Premier bagaille, nous devons chercher bon Dieu. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Deuxième bagaille, on va faire pour nous terminer. On doit mettre une confiance totale dans Jésus-Christ. On va dire une confiance, non, qui ça me dit? Une confiance totale. Vous voyez ça, on doit chanter dans le cantique là. Les gens qui mettent dans Jésus, une confiance sans mesure. Et puis, ils sont capables de jamais tomber. Parce que délivrance. Yo assuré. Par mon côté, prenez mes petites délivrances ou assuré. Est-ce que vous avez droit pour dire que t'as moué au nom de Jésus? Ma délivrance est assurée. Mon succès est assuré. Programme. As. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Confiez totalement dans Jésus. Donc la guerre, la vie totalement par Jésus-Christ. Passez vie, mon Dieu, à 50%. Jean-Pierre, il y a là, où doit fou pour mon Dieu.
tête doit partir pour mon Dieu. Ou ta doit marcher pour ça mais on l'est, il va pas comprendre pour ça mais on l'est, mais ce qu'on pas saute la terre, on pas quitter même comme ça. C'est on l'est pour mettre même parce que ce qu'on pas saute en bas, c'est on sorti. Et bien bon conseil, là entre l'église là, pas garder ceux qui bien habillés, pas garder ceux qui mettent belle jupe, pas garder pas garder frères qui veulent belle costume, mais garder Jésus qui chita sur le trône, pas Jésus adoration, c'est adorer, fin adorer ici, parce que les fondements sont renversés, c'est le Jésus qui a méthodé. Alléluia, et bien dire avec le monde, c'est le Jésus qui a méthodé, entendez? Quel est mon qui pour la dire ça pour dire c'est Jésus qui a méthodé. Redis ça encore dit c'est Jésus qui a méthodé. Bon troisième mon ami dit quel est Jésus la diable. Quel est dit quel est Jésus la diable. Parce que c'est seul Jésus qui a méthodé. Frappez mon dit Jésus mettez-moi dehors, mettez-moi dehors. Jésus mettez-moi dehors. Non ça mieux à mettez-moi dehors. M'bagé l'état qui a mettez-moi dehors. Mais Jésus a mettez-moi dehors. Qui c'est la terre qui a pensé pour moi? Jésus a mis tes madame, ou pas qui diaspora? Ou pas qui diaspora? C'est Jésus qui diaspora, ouais! Cherchez mon bien, cherchez Jésus, mais Jésus en nom, ou pas qui vous a pensé pour vous? Ou pas qui ma tante, ou pas qui tonton, ou pas qui papa? Alléluia! Mais auteur a dit qu'elle a mis fidèle et tendre, nous savons en Jésus. Alléluia. Mes chers amis. Amen. Oh my God. Vous t'es posé une question. Vous t'es dit frère Josué, pour qui ça? Je dois mettre confiance totale dans Jésus-Christ. Je dis premièrement, il est le rocher par excellence. Oui. Pour qui ça? Je dois appuyer sur Jésus totalement. Parce que Jésus est le rocher par excellence. Deuxièmement, alléluia, pour qui ça? Frère Josué de mettre la ville totalement sur l'autel de Dieu, parce que le rocher, à savoir Jésus-Christ, c'est un rocher éternel. Alléluia. Ça veut dire tout le rocher ici-bas a fini, mais le rocher des siècles a campé pour moi. Lorsque tout le rocher sur la terre, tout est farine, mais le rocher qui campé pour moi, le rocher par excellence. Deuxièmement, Jésus, le rocher éternel. Ça veut dire son rocher qui n'a pas perdu la bataille. Les rapillons sous grand monde, ça, il n'a pas perdu la bataille. Les rapillons sous rocher ça, jeune fille, même si elle m'a regardé l'âge à m'avancer, retez sous rocher. Alléluia. Même si on ne comprend pas nous, retez sous rocher. Même si on critique, on a les noms, retez sous rocher. Même si on parle mal, retez. Alléluia. Sous rocher. Même si on ne comprend pas nous encore, retez sous rocher. Même si Maou l'a dit, retez. Même si papa tombe, le mourir, ils sont pas comprenant, ils retiennent son rocher. Ou qu'a pillé sous maman, sous papa, l'a tombe, mourir. Mais l'a pillé sous Jésus, il n'a pas de fin. Jésus n'a pas de limite. Au commencement, il était là. Regardez Jésus-Christ. Et le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'homme qui a changé à n'importe seconde. Mais Jésus m'a servi. Lui me rejoint la gueule dans la route, non, papa. Lui me rejoint abandonné mon genou. Parce qu'il dit je suis avec vous tous les jours. Levez-moi en l'air. En Christ seul, mon espérance. Sa justice est mon assurance. Yeah. Il est devant Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. Est-ce qu'on a levé comme ça? Jésus c'est mon espérance, sa justice est mon assurance, il est devant Dieu mon appui,
Je n'en veux point d'autre que lui. Levez mes mains en l'air. C'est pour chaque monde qui parle de secours. Chez Éternel. Ouch. Maron qui est ce qui te connaît d'eau. Les îles suspendent d'eau. Les îles bagailles compliquées pour lui. Mais Jésus d'eau, Jésus l'âge. Jésus qui a porté jusqu'à ce qu'on rentre dans le ciel. Jésus qui a supporté jusqu'à ce qu'on rentre dans le ciel. Quand les fondements ici-bas sont renversés, j'ai eu fondement dans le ciel. À savoir Jésus-Christ. Mes chers amis, pour me finir, mon bagaille. Jésus-Christ campé. Jésus qui dit Pierre, je déclare que tu es Pierre. Et sur ce roc, je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts, les papes capables qui me têtent avec l'église là. Et me dit, ou t'en aimer, même si vous force la mort qui suit vous, ou qu'on capacité avec rocher en détonnant pour accraser toute tête qui compte en face ou pour nous lever mais on l'air ou déclarer sous la vie quelque soit ma qui compte devant quel rocher des siècles qui en détonnant quel roule yo, quel roule yo, quel roule yo, quel roule yo, quel roule maladie, quel roule pauvreté, quel roule autre, quel roule humiliation. Hey, ma pas la mort. Quel est le rocher des siècles? Quel roulet? Quel est le monde qui va pour toi là? Alléluia. Au nom de Jésus. C'est pour mon Dieu embrasser. C'est pour quitter ici avec parfait, mon Dieu. Alléluia. C'est pour tout ça que tu as fait crier des passants. C'est pour faire quoi, maman? Yo, quoi, papa? Yo, yo, pas qu'il doit chambre. Regardez, localisez encore. Alléluia. Hey! Qui est-ce que tu as fait là? Et me déclarer avec les gens qui te font courir depuis à soi. C'est pour suspendre courir. Hey, va parler avec les gens qui là. Avec les gens qui te font courir. Les petits bagailles ont dit les courir. Les petits déceptions qui m'arrêtent les courir. Assoyez à mon Dieu, dit, même je David dit dans son 11, c'est à l'Éternel que je me confie. C'est le deuxième côté, moi pas couru. Frappez mon Dieu, moi pas couru, moi pas couru, moi pas couru. Hey, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que mon Dieu fortifie, que mon Dieu marche avec vous, que vous crevez, que vous aimez la croix. Que Québec Jésus plus fort, jusqu'à ce qu'on rentre dans le ciel. Appuyé sous Jésus, pas appuyé sous pays, pas appuyé sous l'État, pas appuyé. Appuyé sous Jésus, restez sous Jésus. Jésus va gagner pour la Kaili, restez sous Jésus, que Dieu vous bénisse. Les moins scellés, découragés. Moi connais Jésus, il est toujours là pour l'aider. Là Jésus parlait, là Jésus parlait, tout tristesse allait. Non moi vital, l'esprit vit lui. Moi connais Jésus, il est toujours là. Les moins salés découragés, les moins salés, l'homme pas de mou. C'est Jésus seul, c'est Jésus seul, c'est Jésus. Le grand noir soir. Oh, c'est Jésus seul qui t'a aidé à me protéger. Jésus seul
gade, par la bouti ba koto la di. Si ou besoin li jodi a, si ou besoin li jodi a, ou ka t'approche, t'approche ba. Amen. Mwen konnen Jezi, li toujou la. Ou lele mwen. Ou ma plate, ou ma plote. C'est Jésus seul, oui, lui-même seul, qui compte des joies. C'est Jésus seul, c'est Jésus seul. C'est Jésus seul, qui compte en moi. C'est Jésus seul, qui a aidé et protégé. Le secours me vient
de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je lève les yeux vers les montagnes. Yeah. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ici-bas? D'où me viendra le secours en Haïti? D'où me viendra le secours dans ma famille? D'où me viendra le secours dans le foyer? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait, amen, les cieux et la terre. Les cieux racontent la gloire de l'Éternel et l'étendue manifeste l'œuvre du Seigneur. Celui qui te garde, amen, qui s'est le pape, j'en fais, ne sommeille ni ne dort. Celui qui te garde ne sommeille ni ne dort. Assoya, dis bon Dieu en parole, sous sécurité la vie. Ou même qui a marché clopi clopin, ou même qui sentit la vie ou déraillé, ou même qui sent ou désespéré. Yeah. Dis bon Dieu en parole, assoya, sous sort, sous tendé là. Quand tes fondements sont renversés, juste là qu'à camper devant Dieu. Dieu a un mot. Amen. Il dit, regardez, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours. Ça, c'est la parole de notre Seigneur Jésus. Fondement nous chita sur Christ Jésus. Levez mes mains avec moi, nous parlons devant le Seigneur. Tendre Père, dans le nom de Jésus. Pagain Tanko, merci. Parce qu'encore une fois, vous parlez à cœur nous. Oh Jésus, oh nous sentis fondement. Les renversés, c'est vrai. Mais nous accrochés dans vous. Seigneur, nous demandons restauration à soi. Car tu restaures mon âme. Tu restaures notre âme. Ma pando restauration pour Pepou. Ma pando restauration pour Gonaïviens. Restauration pour Haïtiens. Restauration pour gouvernement. Restauration pour entité familiale. Restauration pour entité politique. Restauration pour entité religieuse. Restauration pour entité économique. Restauration, Seigneur. Restauration, Seigneur. Oh Jésus, nous comptons sur toi. Et permettre que nous rentrions la caille nous avec un triomphe, en parole de triomphe, en parole de victoire, en parole de gloire, en parole de guérison, en parole de bénédiction, en parole de vie et d'espoir. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous prions à Soya. Merci Seigneur pour petit garçon qui t'est campé, qui t'a prêché en l'évangile avec puissance, avec droiture, avec autorité. Et nous-mêmes qui t'attendons, nous recevons la parole et nous bénis. Merci pour tout le monde, Seigneur, qui t'attendait et permettre que la parole ça arrive et fait course dans la vie. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Levez mes mains, les crions, gloire. Ou même qui croient nos destinées sûres et assurées, criez gloire à Jésus. Même si on dit Jésus ça, son Jésus démodé, Jésus ça, son Jésus blanc, Jésus ça, son Jésus tout causé. Mais nous connaissons Jésus noir, n'est pas un Jésus racisme, n'est pas un Jésus race, mais son Jésus tout bonne, prions Jésus. Alors, lorsque nous disons, nous sentons nous délivrés, en capacité, il y en a un président tout le temps, ou à bouquet. C'était nos mamans ou à bouquet, c'était nos papas ou à bouquet. Mais devant le nom de Jésus, tout genou fléchit. Et c'est pour cela qu'on a crié Jésus ça, en signe de victoire, en signe de restauration, en signe de liberté. Crions Jésus. Crions Jésus. C'est pour la gloire de notre Seigneur Jésus, la toute-puissance de notre Seigneur Jésus. L'autorité divine, amen. La guérison et la restauration. Et la restauration des fondements ébranlés. Oui,
C'est pour la puissance de notre Seigneur Jésus, le pouvoir, l'autorité capable de sur la vie, nous, dès maintenant et pour toujours. Allez en paix, que Dieu vous bénisse, l'Église de Jésus. N'attendons dimanche matin et dimanche soir pour nous capables de clôturer avec programme.